Aujourd'hui les amis, on va devoir anéantir des tonnes de zombies grâce à nos véhicules modifiés et ultra puissants. Et le problème, vous vous en doutez, c'est que si on va dans notre garage et qu'on découvre notre véhicule, on se rend compte que pour l'instant il a l'air extrêmement faible. Il n'a même pas une petite mitraillette sur le toit. Donc notre seule solution pour les vaincre et commencer à gagner de l'argent sera bien évidemment de leur foncer dessus comme ça, histoire de commencer, pourquoi pas, à grappiller quelques pièces qui nous permettront d'acheter des améliorations pour mon véhicule. Bon, pour l'instant c'est la vague numéro 1, franchement. Ah mais il y a quand même 20 monstres, hein. Va falloir faire attention, mais ça va, c'est pas trop compliqué. Ils sont pas armés, ce sont des zombies plutôt simples. Boum. C'est tellement stylé. En tout cas, j'espère qu'avec tout cet argent, on va au moins pouvoir améliorer les roues, la carrosserie ou les trucs comme ça. Parce que j'imagine qu'on n'a pas déjà la possibilité d'acheter des mitraillettes. Bon, pour l'instant, j'ai pas perdu de vie, ça va. Mais je pense que si on veut venir à bout des vagues bien plus rapidement, il va falloir revenir dans le garage et commencer à acheter des améliorations. Parce que là, je veux bien leur bomber dedans, mais mon véhicule n'est pas assez large pour que ce soit ouf. Mais vous inquiétez pas les amis, dans cette vidéo on va acheter les meilleurs véhicules du jeu. On va les améliorer au max et on aura sûrement des bazookas sur le toit. Attendez, je vais utiliser une stratégie, je vais les laisser se rassembler comme ça. Vitesse max et bowling. Oh là là là. Bam. Attention à pas rester bloqué. Bon là on est déjà à la vague numéro 3, franchement. C'est plutôt simple. Regardez, je ne peux pas leur tirer dessus même si j'ai un viseur malheureusement. Mais attendez, je viens de voir qu'on a la possibilité d'activer le nitro. Oh là, oh là, oh là, ça devient incontrôlable. Wow. J'ai aussi la possibilité d'utiliser un frein à main. Ah ouais, pour faire des demi-tours, c'est parfait ça, comme ça. T'arrives là, tu fais demi-tour, tu repars de l'autre côté. Oula, 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 oula. Oh, je prends de danger un peu là. Il va falloir faire attention et partir de là, je pense. Je vais commencer à prendre des dégâts. Bon allez, je détruis ce petit attroupement là. On va essayer de monter à 14. Je crois que c'est 14 000 les premières boîtes pour avoir des améliorations. Donc on va attendre les 14 000 d'argent, ce qui va arriver d'ici quelques secondes, et on va directement aller améliorer notre véhicule. Oh, il y a un géant. Il y a un géant. Attendez, il faut absolument que j'élimine le géant. Je pense qu'il va me permettre de gagner encore plus d'argent. C'est parti. Waouh, waouh, waouh. Il est résistant machin. Ah, peut-être qu'il va falloir une mitraillette pour celui-là. Ah ouais, ça va être compliqué. Hein. Oh. C'est bon, j'ai 14 000. Tant pis, on verra ça après. Oh, il y a quelqu'un qui vient m'aider. Il a une mitraillette. Oh, la chance. J'aimerais tellement être lui. Bon, yep. Il fait rien, par contre. Il est en train de rien faire pour l'instant. Je fais un retour, moi. On va aller acheter quelque chose parce que notre véhicule est vraiment nul pour l'instant. En tout cas, on a la possibilité. On a la... Waouh, ok, ok. Je veux ces trucs-là absolument. Combien ça coûte, ça? Et en plus, ils me le font tester. Ah ouais, là, je vais être obligé d'acheter. Bon, on verra ça tout à l'heure. En attendant, on a la possibilité d'avoir, waouh, un véhicule gratuit, apparemment, un camping-car. Oui, bon, il est nul pour l'instant. Et bien évidemment, les caisses sont là. Et c'est bien ça, c'est 14 000 pour acheter. Ah non, c'est les véhicules qu'on achète, c'est pas les... C'est pas les armes. Ah ouais, d'accord. Non, nous, si on veut ajouter des petites armes à nos véhicules, il va falloir le faire dans le garage directement. Mais attendez, je vais prendre directement le camping-car qui est bien plus solide. Il a 6000 de vie. Et pour améliorer son attaque... Ah ouais, mais c'est trop compliqué pour améliorer son attaque. Donc, j'ai pas la possibilité d'avoir ma première arme. Par contre, là, je peux. Donc, il faut 5 outils, apparemment, pour améliorer la première amélioration d'attaque qui nous permet, apparemment, de faire plus de dégâts, à mon avis, en leur bombant dedans. Malheureusement, j'ai pas débloqué une nouvelle arme. Bon, en tant qu'à faire, on va rajouter un petit peu plus de défense. Ah ben, je peux pas. Bon, du coup, vu qu'il me reste l'argent, on va quand même prendre une caisse. Et les amis, on va aller faire de l'argent ensemble. Mais en attendant, on a la possibilité de découvrir, pourquoi pas. Waouh, ok, c'est exactement ce qu'il me fallait. J'avais pas vu qu'il y avait ça dans les caisses. Ah non, en fait, on ne sait pas quelles armes il y a, mais en fait, il y a en fonction des véhicules. Ce qui veut dire, les amis, que cette fois-ci, j'ai la possibilité de prendre notre première arme. Ah, mais il y en avait deux autres. Ah non, pas possédé. Je sais pas pourquoi je l'ai pas, alors que je viens de la débloquer dans la caisse. En tout cas, nous, on a la possibilité d'équiper cette mitraillette-là, qui a l'air quand même plutôt pas mal. Et juste avant d'y retourner, regardez, j'ai quelques cadeaux qui nous attendent, avec notamment un petit peu d'or, mais surtout 150 outils à réclamer. Ce qui veut dire que j'ai la possibilité d'acheter deux caisses comme ça, il me semble. On va voir ça. Attention, qu'est-ce qu'on a? Et... Tada! Véhicule fantôme. Ah non, c'est le même qu'on vient d'avoir. Alors, peut-être qu'on peut les fusionner pour pouvoir les améliorer. En tout cas, là, les amis, la prochaine fois qu'on va battre, qu'on y va, ça va être n'importe quoi. Ah, c'est parce que c'est pour les Mustangs. C'est pour ça que je peux pas l'équiper. À mon avis, c'est pour ça que l'autre tourelle, je peux pas l'avoir ici. Bon, j'ai quand même eu énormément d'outils, ce qui va nous permettre, les amis, d'améliorer l'attaque, l'armure, mais l'attaque. Tout pour l'attaque. Je veux détruire les ennemis le plus rapidement possible pour que ce soit impressionnant. Puissance de feu aussi, histoire que nos armes soient plus puissantes. Et c'est parti pour essayer de gagner un maximum d'argent. Là, ce qui va être vraiment important, c'est aussi d'avoir... Enfin, surtout d'avoir des outils, je trouve. Alors, normalement, les outils tombent des zombies, donc il va falloir surveiller ça. Tout à l'heure, j'en ai pas eu, j'ai pas eu de chance. Mais là, cette fois-ci, on va tout faire pour en avoir. Ils sont plus rapides que tout à l'heure ou quoi? C'est parti. Waouh. Bon, faut continuer à en tomber dedans quand même, parce que ça fait du dégât. Waouh, mais j'ai l'impression que...
se sont adaptés. Je suis meilleur, maintenant ils sont meilleurs. Ils sont plus rapides. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, je pense que le plus important, les amis, dans ce jeu, dans ce genre de jeu là, c'est vraiment. Par exemple, il y a actuellement 35 monstres. Les vagues n'attendent pas. C'est pas parce qu'on termine une vague que les zombies arrivent après. Non, non, ils arrivent toujours. Ils sont constamment en train d'arriver. Ce qui veut dire qu'il faut réussir à garder un cap où on n'a pas trop de monstres sur la map. Sinon, on va se faire submerger et ils seront bien trop nombreux. Après, il suffit de leur bomber dedans et c'est réglé. Mais bon, quand ils vont arriver en mode gros comme ça. Voilà, pour l'instant, ils ont l'air de rester là, je sais pas pourquoi. Au moins, ça permet de les têcher, c'est parfait. Mais ils sont morts, hein. Ils ne peuvent plus attaquer. Ce jeu est incroyable! Wow! Alors là, ça y est, il y a les grands qui vont arriver, je pense. On est à la cinquième vague déjà, ça a été plus vite que tout à l'heure. Ça y est, il y a le grand! Alors lui, il faut essayer de le focus avec la mitraillette. Wow, il m'a fait défier de ma trajectoire! Oh, viens là, viens là, viens là, viens. Wow, ok. Ok, il faut que je prenne de l'élan là. Petit frein à main et on y va. C'est parti! Oh, wow! Je lui ai mis tellement de dégâts là, parce que j'étais vraiment focus en le bombant dedans. Il faut absolument le terminer comme ça. Allez, 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 allez. Alors, est-ce qu'ils me font du dégât un peu ou pas? Je vais essayer de m'attaquer pour voir. Là, j'ai l'impression que les petits, ils ont du mal. Hein. Aïe, 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 ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Allez, pour mal finalement. Wow! Les amis, vague numéro 10, il y a un boss. C'est lui. Bah, mais le problème, c'est que ma mitraille était cassée. Oh, il vient de me mettre tellement de dégâts. Wow! Bon, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai gagné beaucoup d'outils. Au pire, Simba, c'est pas grave. Je vais faire assez d'amélioration pour l'allumer après. Lâche-moi. Bam. Ouf. Attention. Ok, ça. En fait, il a une arme, une sorte de lance-flamme un peu. Et là, on peut l'attaquer dans le dos et normalement, il va pas me toucher. Oh, ah si, il a réussi à m'avoir. Là, je pense que le boss n'est pas prêt. On va pouvoir faire de belles choses, de belles améliorations. On a la possibilité d'acheter des caisses de véhicules maintenant qui coûtent 18 000. Je sais pas si ça vaut le coup, mais si on pouvait avoir une Mustang, les amis, ça pourrait être incroyable. Comme ça, on s'embête pas à améliorer le van qui, au final, sera bien limité. Donc allez, il nous faut la Mustang, s'il vous plaît. Dès la première caisse. Quoi ? Tout sauf ça. Tout sauf ça. Même la deuxième voiture est mieux. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, ça y est, c'est la deuxième voiture, justement. Ah non, c'est la troisième, hein. En épique comme ça, ok, ça peut le faire, mais moi, je veux absolument la Mustang, surtout qu'on a déjà la mitraillette qui va dessus. S'il vous plaît, donnez-moi la Mustang. Allez, allez, mais non, pas celle-là. Aïe, 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 aïe. Mustang, on a déjà un truc sur quatre, et là, même celle-là qu'on vient d'avoir, on a 0 sur 4. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il me reste plus beaucoup d'argent. J'ai tout dépensé pour ça, j'ai même pas acheté d'armes. Oh non, j'ai cru que c'était un truc de fou, ça a mis tellement de temps à apparaître. Bon, au moins, ça nous a permis d'avoir 3 véhicules différents déjà. C'est plutôt pas mal. Allez, donnez-moi ça. Non. Allez, cette fois-ci, j'espère que ça fera l'affaire. S'il vous plaît, ne soyez pas radin. Bon, je vais acheter la possibilité d'ouvrir 3 caisses en même temps, comme ça on aura beaucoup plus de chance. 16% de chance quand même. En théorie, ça devrait passer d'ici peu. Oh, attendez. Ah non, c'est bon. Quoi? Mais pourquoi? Mais ouvrez les caisses, ouvrez. Ok, la première, la deuxième, la troisième, toujours pas. La première, la deuxième, la troisième. Oh, mais c'est pas possible. Les amis, on est en train de se faire arnaquer. Allez, allez, allez. Mais non. Ça y est, les amis. Après une énorme ouverture de caisses qui a duré une éternité, on l'a. Et maintenant, tout ce qui nous reste à avoir, c'est évidemment les meilleures améliorations pour ma Mustang. Donc alors, ça, je sais pas pourquoi ça va. Garde colombe, puis la aile de colombe. Donc ça, c'est la première voiture. Oh, bah ça y est. J'ai tout ce qu'il faut pour la première, mais il faut arrêter de me donner des outils pour la première, vraiment. J'ai besoin de ce genre de choses. Alors malheureusement, c'est pas ma Mustang. Nous, ce qu'on veut, c'est la couleur légendaire, un peu comme ça. Et si éventuellement, on peut avoir le dernier véhicule, ça peut être cool aussi, mais de toute façon, je sais pas. Ça y est, tonnerre de Mustang, on l'a déjà, malheureusement. Manteau fantôme, Mustang Wild. Ok, on est à 3 sur 4 pour la Mustang. Ah, je crois que j'ai plus d'argent. Ah, s'il me reste encore un peu d'argent, parfait. On achète, on va voir ce que ça permet d'avoir, attention. Tout seul polaire pour l'Apollo. Bon, je crois que l'Apollo, on l'a terminé. Hein. Ah non, on est à 3 sur 4, 3 sur 4, 3 sur 4. Ok. Il me reste un outil sur les 3 voitures suivantes. C'est parti. C'est bon. On a tout ce qu'il faut sur la Mustang. On n'avait pas ça. J'arrête là. 4 sur 4, c'est parfait. Donc là, on va directement améliorer la Mustang. Comment ça se passe? Oh là là, ça va être incroyable. On va être tellement puissant maintenant. Donc, Mustang. Le camping-car est meilleur apparemment que la Mustang. Hein. Mais bon, bon. Eh. Hey. Oh. Ah, je pourrais, c'est stylé quand même. Mais non, non. On s'est embêté à avoir la Mustang, on prend la Mustang, c'est très bien. On a la possibilité donc de faire pas mal d'améliorations en termes d'armure, d'attaque et de défense, mais c'est pas ça qui nous intéresse, les amis. Nous, tout ce qui nous intéresse, évidemment, c'est. Hop, c'est ça. Alors, mettre. Évidemment, ça. Donc, ça va partir sur les côtés. Je pensais que ça partait sur le toit. Ça va partir sur le dessus, j'imagine. Oh, oula. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est bon. Il voulait me troller. Ah, et pour avoir plus, il faut apparemment payer en Robux. Ok, 400 Robux, je prends. Comme ça, on va pouvoir mettre tout le reste de la Mustang. On va l'avoir amélioré au max.
En espérant qu'elle fasse l'affaire. Hein. Je sais pas si on va réussir à battre le boss avec ça. Arrêtez de me troll avec le truc qui arrête pas de bouger. Et attention, donc les grilles sont devant. Et le quatrième, attention, qu'est-ce que c'est déjà? Ah, c'est pour renforcer la carrosserie un petit peu. Enfin, ça vient s'ajouter. Bref, on est bien. On va dépenser tous nos petits outils là. Comme ça, on est bien. Amélioré. Donc, puissance de feu, ça faut l'améliorer. Tac, 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 tac. Oh non, j'ai trop fait. Oh, j'ai fait beaucoup trop là. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, du coup, on va être très, très puissant sur nos armes, mais. Le reste, c'est un peu à la traîne, mais ça va. Alors, ce qui est bien, les amis, c'est que j'ai activé l'attaque automatique pour ce qui est des armes. Ça évite que moi, j'ai à m'en occuper. Moi, tout ce qu'il faut, c'est que je conduise bien. C'est-à-dire que là, regardez, c'est même pas moi qui tire. J'ai oublié de changer de véhicule. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça y est, cette fois-ci, on est bon. Oh là là, mais... Oh, il rend encore mieux ici que dans le garage. Regardez-moi cette puissance. C'est une Mustang incroyable. Et ça y est, regardez, ça attaque automatiquement. C'est tellement pratique. Regardez les dégâts qu'on fait. J'ai même plus besoin d'aller attaquer. J'ai rien à faire. Waouh, bon pour l'instant j'ai rien à faire, hein. D'ici peu ça va être galère. Bon il faut quand même essayer de pas perdre trop de vie, j'ai que 2700 de vie, hein, donc j'ai pas énormément plus que tout à l'heure, donc va falloir faire attention. En tout cas les amis, on se retrouve directement à la vague numéro 10, on va aller exploser le boss, c'est parti. Ok, vague numéro 9, on y est, le boss va pouvoir revenir, mais là cette fois-ci ça sera pas un problème pour moi, on va complètement l'anéantir. Qu'on m'amène le 10ème. Enfin, la 10ème vague. Et le boss. Un seul boss, ça ira. Pas 10 boss, s'il vous plaît. Hop. J'ai récupéré quelques outils, mais moins que tout à l'heure, j'ai l'impression. Tout à l'heure, on est monté à plus de 1000. Là, je n'en ai pas eu beaucoup. Oh, ça y est. Ah, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Ah, ok. Bon, allez, faut s'occuper de tous les petits d'abord. Wow. Mais c'est un malade. Je lui ai mis tellement de dégâts, les amis. On l'a déjà terminé. On l'a déjà terminé, what? Ça a été beaucoup plus simple que tout à l'heure. En fait, on est beaucoup, beaucoup plus puissant. Hein. Oh, je l'ai double shot en vérité. Oh, c'est incroyable. Bon, allez. Maintenant, à mon avis, le prochain boss sera à la vague numéro 20. Donc, il va falloir faire attention. Oh, bam, 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 bam. Pour l'instant, c'est ils ont remis des petits zombies. J'ai l'impression qu'ils sont juste plus rapides. Il y a quand même des zombies radioactifs, là, comme ça, là, qu'il faut exploser. Ah non, ça y est, ils ont rajouté des zombies différents. Qu'est-ce que c'est? C'est des zombies ninja. C'est des zombies ninja, what? Bam. Bon, j'ai trouvé une attaque spéciale. C'est le tourbillon comme ça. Ah, j'arrive mieux à le faire. J'ai réussi à le faire un petit peu mieux juste avant. Il faut aller peut-être un peu plus vite, mais j'arrive pas à tourner trop longtemps. Voilà, là c'est pas mal. Là je tourne vite. Hop, allez. Venez, je suis une véritable copie. Personne peut me tester. Venez, ramenez vos potes. Aucun problème pour moi. Ouais, les amis, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça l'astuce de ce jeu. Oh, il faudrait que j'augmente ma vitesse. Je sais pas si on peut augmenter la vitesse des véhicules. Mais autant vous dire que c'est... Ah, ça y est, ils viennent plus. Voilà, ils viennent plus. Ah non, c'est que j'ai été tellement vite pour terminer la vague que... Ouah, la prochaine arrivée dans tellement longtemps. Bon, ça y est, on a dépassé les plus de 1000 outils, donc on va pouvoir encore améliorer la Mustang, les amis, à un niveau stratosphérique, ça c'est cool. Venez, venez. Bam, bam, bam. Oh là là, tellement efficace. Wow, 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 wow. Attends. Je crois que j'ai un peu trop tourné, ça m'a mis sur le dos. Oula. Alors attention à lui, là, au grand, là, parce que si lui nous touche, c'est la crise, les amis. Ça va, il est focus par mes armes, là, c'est parfait. Voilà, ça, c'est fait. Bon, plus que 5 vagues pour avant le boss. J'espère qu'il sera pas trop compliqué. Oula, il y a que des zombies ninja, là. Attention, quand même. Attention, ça va. Mon astuce est incroyable. Bon, je vais arrêter, ça donne le tournis, mais franchement, c'était une bonne idée. On y est. Vague numéro 19. Attention, hein, ça se trouve, il n'y a pas de boss, ça, à la vague numéro 20, mais bon. Je pense que si. Attention, c'est maintenant. Alors, il est là. Il n'y a pas de boss. Ah non, c'est encore la vague 19. Pourquoi c'est encore la vague 19? Ah, c'est arrivé en deux fois, je crois. Bon, c'est pas grave. Oh, il y a des nouveaux ninjas. J'ai même pas eu le temps de voir ce que c'était, que je les ai explosés. Enfin, c'est pas des ninjas, des nouveaux zombies. Non, c'est pas ceux-là. Je crois que je les ai éliminés. Hein. Oh. Attention. Oh, faut pas se le prendre, ce truc-là. Regardez les dégâts qu'on lui fait avec notre mitraillette. Bam. Et on le termine et on gagne cette vague numéro 20. On est en train d'enchaîner les vagues. Et dire que là, quand je vais retourner au garage, je vais pouvoir tellement m'améliorer, ça va être abusé. Hein. Alors attention au boss de la vague 30 qui va arriver. À mon avis, là, ça va commencer à être du sérieux, je pense. Oula, oula, oula. Pourquoi je me suis arrêté? Boum, voilà, parfait. Wow, ils sont nombreux de ce côté. Hein. Ouais, ça commence à être du sérieux, là. C'est bon, c'est pour maintenant. La prochaine vague arrive dans... 4 secondes, ça va. Il faut juste terminer cela avant que le boss arrive quand même. Il est là. Ah, c'est le même que tout à l'heure. Mais avec beaucoup plus de vie. Mais regardez comment on l'élimine. Et je vais le terminer en lui bombant dedans. Waouh. Non, c'est le retour du boss de tout à l'heure. Waouh. Ok, il vient de me one-shot. Alors, au niveau des véhicules, j'aimerais bien voir quand même qu'est-ce que ça donne si on améliore, qu'on met absolument tout sur ce véhicule-là. Boum. Hop. Les armes sur les côtés. Ah ouais, ça fait comme la Mustang. Ah ouais, mais ça la rend...
Il est quand même ultra OP maintenant, notre van. Et alors, les pièces du camping-car, je sais pas comment les avoir. Il faut trouver une solution pour les avoir. Cette voiture-là, pareil, on va tout lui mettre. On a absolument tout. On a 4 sur 4, donc c'est bon. On peut lui mettre ça, ça et ça aussi, pourquoi pas. Et camping-car, je sais pas, vraiment pas du tout où on va acheter. Oh, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup le style qu'elle a quand même, celle-là. Voilà, avec les mitraillettes, en plus, c'est mieux. Et alors, celle-ci, ça donne quoi? Ouais. Elle est un peu plus bizarre, je sais pas si t'es censé voir avec ça devant toi. Bref, en tout cas les amis, je vous conseille de jouer à ce jeu, il était vraiment vraiment pas mal. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Redkill et n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo qui s'affiche sur votre écran. Je retourne dézinguer du zombie. Ciao tout le monde.